Deux diapasons identiques, montés respectivement sur leur caisse de résonance, sont placés l'un en face de l'autre. Une des fourches est frappée avec un maillet caoutchouté. Elle se met en vibration. Lorsqu'on met les doigts sur cette fourche, la vibration de ce diapason s'arrête et le son subsiste. Le son provient en réalité de l'autre diapason qui s'est mis à vibrer. En effet, les deux diapasons, étant identiques, possèdent la même fréquence propre, c'est-à-dire la même fréquence de résonance. L'énergie fournie par le premier diapason est reçue parfaitement par le deuxième qui se met alors à vibrer. Le premier diapason joue le rôle d'excitateur, tandis que le second joue le rôle de résonateur.